Oh, donc j'espère que vous allez bien, Sauter, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui je vais vous présenter les 228 plats du jeu, donc ça m'a pris une bonne petite heure pour les crafts. Donc enfin j'ai pas fait tous les plats parce qu'il y en a certains, en fait j'ai oublié de les manger et donc bah tant pis, je vais pas essayer de rechercher pour les avoir, mais voilà c'est des plats, bon on verra bien, mais c'est des plats juste, faut juste mettre du coup... la viande ou voilà. Donc j'en ai 194 sur 228 mais bon, bizarre. Enfin bref. Tac. Donc, je vais vous présenter un par un. Donc hop, j'ai vraiment pas de chance. Donc vous avez les brochettes de champi, donc pareil, là les plats, vous pouvez les modifier certains. Donc comme cela, je vais vous montrer. Donc cela, vous pouvez mettre juste bah un bout de viande, enfin du coup un, non pas ici, ici un bout de viande et n'importe quel champi, ça marche bien sûr, n'importe quel champi ça marche, donc voilà. Donc ici pareil, donc voilà, ici non, il me semble, ici pareil non, enfin si du coup, bon, je vous laisse du coup petit à petit, mais il y a certains plats du coup, vous pouvez pas les modifier, comme celle-ci, logiquement je crois pas, hein. Ah si, 4 variantes. Ok, bouge pas. Donc voilà, hop. Celui-là non par exemple, lui non. Enfin bref. Et je vous laisse du coup. Donc n'hésitez pas à faire des screens ou à mettre pause quand les plats vous intéressent. Si vous avez besoin d'ingrédients et tout ça, vous êtes en manque de certains ingrédients, n'hésitez pas à le dire soit dans les commentaires, soit dans le Discord, mais sinon checkez la chaîne, il y a des guides total, donc n'hésitez pas à checker la chaîne dans les playlists, vous avez créatures et ressources, et là vous avez par exemple guide légumes, guide tous les plats. Prochainement je vais le faire, tous les crustes, enfin les produits de la mer, enfin bref, il y aura des guides sur tout, il y a sur les papillons, sur tout vraiment, donc n'hésitez pas à checker, pour le moment on est la première chaîne, française de contenu Zelda TOTK avec le plus de vidéos astuces, donc la chaîne avec, enfin le plus complet quoi. Enfin, du coup une donc la plus complète, voilà pareil, cela je crois pas qu'on peut modifier. Tac tac tac, pareil cela aussi on peut pas modifier il me semble, sauf lui, ici vous pouvez mettre tout sauf pomme, et ici que pomme. Miel, bref. Si on arrive au monstre, les plats douteux et les plats brise-dents, ça vous pouvez mettre un bout de planche là, de bois. Ici vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre des trucs de monstre. Donc ensuite bah là vous pouvez mettre tous les trucs à griller, donc pareil je vous ai fait une vidéo, le meilleur truc, enfin la meilleure emplacement pour faire griller vos produits, vos ressources. Pareil, là j'en ai oublié certains, mais je m'en fous. Ici pour l'œuf grillé, vous allez donc devoir aller bah, du coup le faire brûler, donc avec avec soit dans les zones chaudes ou sinon bah avec une épée peut-être, je sais pas du tout, je pense pas. Hein. Ça peut peut-être l'exploser, mais enfin faut être délicat avec eux, les œufs. Et pareil pour l'œuf dur, vous allez donc devoir aller dans la zone volcanique. Et vous avez des sources chaudes, vous devez les placer dans les sources. Donc ici, voilà, c'est tout ce qui est viande congelée. J'en ai fait plus, mais je sais pas pourquoi ça m'a pas marqué. Hein, je sais pas. Ici du coup on est sur les remèdes, donc les remèdes, là il y a tous les remèdes, vous inquiétez pas. Et voilà,
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et va vous aider pour votre progression dans le jeu. N'hésitez pas à checker la chaîne si vous voulez d'autres vidéos astuces et tout ça. Enfin, si vous voulez voir mes vidéos astuces. Et puis nous, on va du coup se laisser là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'est auteur, donc là, je kiffe. Allez, ciao!